messieurs les membres du gouvernement de la République. Messieurs les chefs d'état-major des armées, Monsieur le président de la Fédération guinéenne de football, Mesdames, Messieurs les autorités à tous les niveaux du football guinéen et du sport guinéen en général, Mesdames, Messieurs les citoyens ici présents qui ont voulu honorer de leur présence cette cérémonie du but, Mesdames, Messieurs, c'est au nom du président de la République qui a dépêché son épouse et moi-même que nous voudrions adresser les condoléances les plus émues aux familles biologiques de nos disparus et à la famille sportive guinéenne en général. C'est avec beaucoup d'émotion, le cœur plein de feu, l'âme déchirée, que nous assistons à une cérémonie comme celle-là pour accompagner à leur dernière demeure nos jeunes sportifs arrachés à la vie, à fleur d'âge, dans des conditions non souhaitables. Non souhaitables, c'est vrai que la mort est inévitable, mais ils sont partis trop tôt. C'est vrai, comme le dit François Mazer, tout le monde meurt. Mais ces jeunes sont partis trop tôt. Le gouvernement et le président de la République voudraient rassurer les familles de notre compassion, rassurer la famille sportive de notre solidarité agissante pour que les familles éplorées puissent trouver à travers les actions et l'appui du gouvernement la consolation nécessaire pour supporter ce deuil difficile. Je voudrais pour l'occasion redire les remerciements aux autorités et aux citoyens des régions traversées par le corps, avec un accent particulier sur Timbo et la ville de Mamou, où les populations n'ont rien épargné pour exprimer leur solidarité et tout leur appui à ce terrain-là. La mort a des rigueurs à nul autre pareil. Notre consolation, c'est notre croyance en Dieu. Il me plaît de citer encore Mazer dans ces circonstances, qui disait à Victor Hugo, quand il a perdu sa fille, je cite, tout le monde meurt, la mort a des rigueurs à nul autre pareil, on a beau la prier, la cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse vivre. Le pauvre, dans sa cabane où le chauve le couvre, n'est pas défendu de ses lois. La garde à la veille aux barrières de l'ombre
n'en défend pas non plus le roi. Vouloir ce que Dieu veut est la seule chose qui nous met au repos. Que dire que de demander aux familles de logique, à la famille sanctifiée, de prendre Dieu en croyant que nous sommes et d'accorder, de continuer à accorder, exprimer cette solidarité aux familles. Parce que la mort est courte. Ce qui est important, c'est les conséquences de la mort. Nous avons besoin, j'allais dire, les familles ont besoin de notre appui de tous les temps, ou tout au moins pour les premiers mois, les premières années, pour que l'élan de solidarité qui s'inscrit aujourd'hui s'inscrit dans la durée, qui sera la vie. Je voudrais conclure en priant Dieu, le miséricordieux, qu'il accorde son paradis éternel à ces jeunes arrachés très tôt au plaisir de la vie. Je vous remercie de votre attention.